C'est parti pour la construction du nouveau projet d'habitation Urbano tout près du Lac des Nations. Sur 12 étages, 90 condos seront construits d'ici septembre 2016. Estrieplus.com est allé à la rencontre de l'artiste derrière le projet, l'architecte Alain-Serge Marchand. C'est un projet qui va se faire sur plusieurs années. Donc, il faut qu'au niveau design, que les bâtiments aussi se ressemblent, sans être exactement similaires. Qu'est-ce que vous avez fait de différent avec Urbano? On voulait que tous les propriétaires puissent avoir une vue de la rivière. Donc, on suit les tendances d'être sur le bord de l'eau. Est-ce qu'il y a des secrets que vous pourriez nous dévoiler concernant Urbano? On trouve que les développeurs sont très intelligents, très allumés. Puis de par leur formation aussi, c'est des gens qui, pour eux, la communication est importante. Les documents qui ont été présentés, les plans, les systèmes, les perspectives, le touchscreen, ça permet de travailler en toute transparence. Puis les gens peuvent comprendre très bien les concepts. Non, je ne crois pas qu'il y a de secret. C'est du verre, c'est du métal, c'est une grande fenestration, des grands balcons. C'est probablement un des investissements majeurs dans une vie. On essaie de faire des bâtiments qui vont bien vivre, qui ne se démoderont pas, puis que les gens vont être fiers là, de rester. Un projet d'envergure aux couleurs de Sherbrooke. Un reportage d'Élisabeth Nadeau pour Estrieplus.com.